Bétocib, Cimbéton et la Fondation française du béton, sous le haut patronage du ministère de la Culture, ont remis les prix du premier trophée béton le 7 janvier dernier à la Maison de l'Architecture. Les travaux que nous avons pu voir aujourd'hui et que vous allez découvrir bientôt soulignent l'excellence en tout cas de la formation des jeunes architectes qui sortent de nos écoles. Quatre lauréats, dont deux premiers prix, ont été choisis parmi 115 inscrits et 10 nominés par un jury de spécialistes présidé par les architectes Paul Chemetoff et Franck Amouten. Les deux premiers prix sont décernés à Lucie Anderlin pour une école de paysage à Toul et à Antoine Méniel et Romain Péquin pour une architecture viticole à Gigondas. Mon projet se nourrit de l'idée du paysage du paysagiste Michel Corajou, par rapport à la notion d'horizon qu'il développe. Et donc j'ai essayé de transposer ça dans mon projet en travaillant la manière dont l'école tisse des relations avec son environnement et comment les espaces s'enchaînent de l'extérieur vers l'intérieur. J'ai choisi un béton de site qui est coulé par couches en fait, et avec des granulats d'épaisseur différentes, donc ça produit un effet de strate. Ça rappelle un peu les différentes couches qu'on peut trouver dans un paysage et ça donne un aspect un peu plus massif au bâtiment. Alors le projet, il s'agit d'un chai de production de vin qui se situe dans les Côtes-du-Rhône. C'est un programme qui demande une grande inertie et un grand contrôle thermique et c'est pour ça que le béton nous paraissait assez adapté. C'est un des seuls matériaux qui ait cette capacité d'inertie en lui-même. Le troisième prix est décerné à Quentin Percher pour la maison de Victor et Rolf à Londres. Alors mon projet, c'était de construire, de dessiner le siège d'une maison de haute couture qui est Victor & Rolf, et de dessiner un bâtiment iconique à l'image de la marque à Londres. La boutique se déplie comme un ruban et donc ce sont des grandes portées à franchir et le matériau béton m'a permis justement de structurellement d'y arriver. Et pour le quatrième prix, le jury a souhaité récompenser un projet d'une ambition inhabituelle à des dimensions plus urbaines. C'est une unité de régénération urbaine Porte de Bercy à Paris de Xavier Travers. Et mon projet, c'est une macro-structure urbaine, donc c'est un projet de très grande échelle avec de larges portées. Et le béton est le seul matériau aujourd'hui qu'offre les possibilités de construire ce type de projet et pour créer des sols artificiels, des choses comme ça. Et ça m'intéressait vraiment de sortir de la parcelle et d'un système très contraint pour pouvoir avoir une vision d'ensemble et essayer de voir le devenir de nos villes en fait. Les lauréats reçoivent une gratification financière et l'ensemble des nominés bénéficie d'une exposition de leur projet ainsi que d'une publication dans un tiré à part à 15 000 exemplaires de la revue AMC. C'est des projets très porteurs de sens, porteurs de sensibilité. C'est un travail sur les peaux, c'est un travail sur les performances du béton. Et là, il y avait tout un panel de réponses qui était très intéressante et très variée. Ouais. Des utilisations innovantes, des utilisations assez séduisantes, des utilisations subtiles du béton. On a aujourd'hui besoin de faire savoir que l'on peut construire à tous les coups, sous toutes les formes, de toutes les manières et partout. Et le béton est bien placé pour ça. Le trophée béton récidive en 2013 avec une nouvelle édition. Lancement prévu le 26 février prochain à la Maison de l'Architecture en Ile-de-France avec la conférence « Panorama de l'architecture contemporaine, prouesses et folies du béton ».